Regarde, tu es tombé sur une tempête. Affronter les éléments, tester ses connaissances, développer une stratégie, c'est ce que font ces enfants en participant au jeu du Vendée Globe. Mais si elle a la bonne case. Un jeu qu'ils découvrent en présence d'Angélique Courceau. C'est sa société qui a créé le jeu. La voile, comment on l'appelle celle-là ? Il plaît beaucoup, le jeu est de qualité. On a souhaité une fabrication en France. On a travaillé aussi en partenariat avec Michel Desjoyeaux, donc tout le fond et toute la notion d'anecdotes, d'événements, de questions intéressent beaucoup les gens. Donc des questions standards pour les enfants ou ceux qui ne connaissent absolument rien à la voile et des questions experts pour ceux qui maîtrisent parfaitement le sujet. 6, oh non ! Des enfants déjà plutôt à l'aise pour une première. C'est comme si on était un skipper. C'est un petit peu long, mais à la fin, c'est bien. Le but du jeu, c'est de faire tout le tour de la Terre et après de revenir de là où on est parti. Il faut répondre à des questions justes, il faut donner de la nourriture. Quand par exemple t'atterris sur une case, des fois tu recules et que t'avances et après ça bloque les autres. Et c'est ça que j'aime bien. Ça nous aide à réfléchir, aussi à revenir sur le passé. On prend une question. Il aura fallu 2 ans de développement pour mettre au point ce jeu du Vendée Globe. Un jeu pédagogique pour toute la famille. Une bonne idée de cadeau de Noël.